toute la ville en parle, dans votre dos, avec les deux bitches. Oh, bonjour toi. Salut ma grande. Oh, il s'en est passé cette année. Et puis de tous les âges à part de ça. Oui. Et parlant du télévangéliste Pierre Lacroix, voici ce qu'il déclarait à l'émission L'Heure Juste. Oui, mais je suis allé dire au forum, puis même Rocky Belles-Oreilles m'a parodié en disant « Je suis un pécheur, je suis un vicieux, mais Dieu est bon! » Je vois encore Rocky Belles-Oreilles dire ça, tu sais. Pour moi, il n'a pas tellement compris ce qu'on voulait dire, lui. Je pense qu'il essaie de se mettre chum avec nous autres. Bon, mais Pierre Lacroix, écoute bien ça. T'es juste un vieux cochon. C'est clair! On n'aime pas ça à la barbe, nous autres. Non. D'ailleurs, sais-tu ce qui est pire que de se faire accuser de sodomie sur des adolescents? Mon Dieu, non. C'est de se faire accuser de tentative de sodomie. Il est même pas capable. Ça, c'est un peu comme le Ben Johnson de la pédophilie, finalement. C'est-à-dire? Il s'est fait poigner, lui. Pas très habile. Non. Et parlant de jeunes nubiles, il y a la chanteuse Mitsou. La petite boule avec du rouge à lèvres? Oui. Justement, parlant de Mitsou, c'est tout ce qu'elle a dans la tête, elle? Une petite boule? C'est ça, une petite boule, un petit grelot. Tac, 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 tac. Ça résonne pas fort. Mitsou, franchement. Je me demande bien ce qu'elle peut avoir l'air habillée. Oh, bien ça, on le saura jamais. Qui vivra, verra. Ben oui. Sais-tu qu'il y en a une que le succès international n'a pas changé? C'est Céline Dion. T'as bien raison. Elle est aussi quétaine qu'avant. Ben oui. Le chanteur Pierre Flynn, ça te dit-tu quelque chose? Oui. Il est beau. Hein? Ah. Il est tellement fier d'avoir gagné deux Félix, là. Il a décidé de reporter son suicide d'une autre année. Ah, petit pit. Un grand tourmenté. Ben, fais attention, mon Pierre, hein? La maudite machine est en train de t'envaler. La chanteuse. Et au hockey, on prévoit que Stéphane Richer va compter autant de buts cette année que son quotient intellectuel. Non, c'est plate, ça. J'y souhaitais deux saisons de 50. Hey. Grâce à Yves Inade, Shirley Theroux n'a pas seulement perdu 30 livres, elle a également perdu sa réputation. Tant qu'à moi, elle l'avait déjà perdu à son mariage. T'es bitch, t'es bitch! Cinéma. Sais-tu comment faire l'amour à un aigre sans se fatiguer? Oh, non. Tu te mens dessous, c'est tout. Mais Sam, ça prend pas deux heures pour montrer ça. Tu cas pas chignon. Tu sais que Yves Corbeil est revenu tout bouleversé de son voyage au Mexique. Oh, comment ça? Ben, il a vu des gens vivre dans des sacs de vidange, des enfants mourir dans la rue. Oh, c'est pour ça. Mais ça semblait qu'il annonçait plus les numéros de la Super de la même façon. Ben, ça bouleverse quelqu'un. Okay. Jean-Luc Mongrain. Pas celui qu'on dirait qu'il va échapper ses yeux, là? Lui-même. Oh, wesh. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il m'énerve. Moi avec. Manuel Tadros. Oh, laisse-les tranquilles. Bon, OK. Ah, ouais, dis-les. OK. Manuel Tadros vient de fonder un groupe de musique gitane genre Gypsy King. Ah oui? Combien qu'ils sont? Ils sont un. Oh. Pas de danger qu'ils chicanent. Non. Attention. Il y a Michel et Richard. Wow. Attention à ce que tu vas dire. Je fais attention. Il y a Michel Richard qui a intenté une poursuite contre Pierre Foglia qui a dit qu'elle était, et là, je cite... Attention, là, c'est pas nous qui a dit ça, là, c'est Pierre Foglia. Non, c'est lui. Alors, une lasagne, un toaster, une tondeuse à gazon, une nageuse est-allemande déguisée en camion de pompier, et la preuve biologique que les marchands de boudin sont aussi des mammifères. Aïe. Franchement, c'est pas vrai que Michel Richard est un camion de pompier. T'as bien raison. C'est un trait de vidange. Yark, mais hein, caca. Mais sur les autres points, le juge n'a pu que constater l'évidence et il a innocenté M. Foglia. Et oh, en dernière heure ici, Michel Richard vient tout juste d'intenter une poursuite contre le groupe Rock et Belles Oreilles qui l'a traité, et je cite, de trait de vidange. Ah ouais, essaye-toi, la grosse. Ah ouais, tac. Hey, whoop, hey, c'est parce qu'on a un avion à prendre. Ben ouais, il grouille, c'est ça. Ah ouais, c'est ça.